Dieu, viens à mon aide.
De la première lettre de saint Pierre. Puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte à cause du nom du Christ, heureux êtes-vous, puisque l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Réjouissez-vous tous les saints en présence de l'agneau. Pour vous, le royaume est préparé depuis la création du monde. Alléluia. Thank you.
Nous souvenant en cette fin de journée du repas où le roi des martyrs offrit sa vie pour nous et de la croix où il remit son esprit à son Père, disons-lui notre amour. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Toi qui nous as aimés jusqu'au bout, tu es la source du courage, le modèle des martyrs, loué sois-tu. Toi qui appelles tous les pécheurs et leur offres la vie, loué sois-tu. Seigneur Jésus, notre amour. Toi qui as confié à ton Église le sacrement de l'Alliance nouvelle pour la rémission des péchés, loué sois-tu. Toi qui nous donnes aujourd'hui la grâce de la foi, loué sois-tu. Seigneur Jésus, notre amour. Toi qui associes nos frères défunts au mystère de ta passion, loué sois-tu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Prions le Seigneur. Dieu, qui as envoyé l'évêque Saint-Denis et ses compagnons annoncer aux païens ton évangile et qui les a gardés inébranlables dans leur martyre, nous t'en prions. Accorde-nous la grâce de les imiter en sachant mépriser la faveur du monde sans jamais craindre ses attaques. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse et le Dieu de toute consolation, vous réconforte dans toutes vos tristesses, et que la grâce et la paix soient toujours avec vous pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.